Yeah, yeah, sure it is. La résurgence est sur le point d'être désactivée, profitez-en. Le gaz se rapproche. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. On a besoin de reconnaissance. La victoire vous tend les bras. Yeah, safe. Et yo l'équipe, c'est Rookie. Dommage pour le petit gameplay, dommage pour le 1v1 final que j'ai un peu de choke, mais une 15 kills ça se prend quand même sur Rebirth. Et je l'ai faite avec coup la nouvelle classe BP50 avec le nouveau kit Jack Revenger qui la transforme en fait en SMG et qui du coup permet d'optimiser tout ce qui est mobilité, vitesse de visée, etc. au détriment forcément de tout ce qui est vitesse des balles, portée des dégâts. Et pour ce qui est de la classe, il n'y en a pas de 36 parce qu'en réalité, quand vous mettez ce kit, ça bloque tout le reste. Ça bloque accessoire canon, ça bloque canon, ça bloque chargeur et ça bloque busque. Donc il vous reste franchement deux trucs qui sont, on va dire, essentiels. C'est la bouche, avec du coup, pour moi, j'ai mis le frein de bouche Casus pour tout ce qui est contrôle du recul, notamment horizontal. Et j'ai mis également en poigne arrière plutôt quelque chose pour le recul. Voilà. Parce que les autres, je les trouvais pas très très intéressantes. Là, vous avez du contrôle du recul, mais vous perdez en vitesse de déplacement. Et là, pareil, vitesse en action de sprint de tir, super intéressant, mais vous perdez en recul. Alors que celle-là, il n'y avait que du positif. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, on la prend. Et après, la vraie question, c'est est-ce que vous mettez lunettes ou un laser? Moi, j'ai préféré mettre le laser parce que je m'en sers quand même SMG, donc plutôt pour courte ou moyenne distance. Hein, parce qu'au-delà de 20-23 mètres,
ça commence à, je crois qu'en termes de stats, ça commence à chuter de manière drastique. Donc j'ai mis un laser, le laser Kimura en l'occurrence, mais après vous pouvez aussi mettre une lunette et enlever le laser si vous préférez, ou enlever la poignée. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.